Good morgen, allez, Iden, nous sera aujourd'hui les Lounishmat Rachel Bat Sarah, ainsi que l'Irfu à Trayarivka Bat Léa, Sarah Bat Nechama, Chana Léa Bat Gitel Dvora et Eliaou Ben Chayat Sizel, Betor Shar Cholé Israël. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Psachim, Perek Gimel, Mishnah Zain. Haolech Lishrot et Pisro, Velamoul et Beno, Velechol Seudat Erusin Bevet Chamiv, Venizkar Shechlo Chametz Betor Beto. אם יכול לחזור ולבער ולחזור למצוותו, יחזור ויבער, ואם לאו, מבט לו בליבו. להציל מן הנוכרים ומן הנהר ומן הניסטים ומן הדליקה ומן המפולת, יבטל בליבו. ולשבות שביתת הרשות, יחזור מיד. אם הוא קומן סטרדיו דירקטומן, יא תחוי סיטואציון אופת, ופרנסות דלורד. D'abord, je traduis les cas, vous allez comprendre tout de suite. Aolech lishrot et pisro, celui qui est en route pour aller faire la shrita de son korban pesach. Il a pris la route le veille de Pessah, le 14 Nissan, au matin. Il a commencé à prendre la route pour partir à Yerushalayim, égorger son korban pesach, comme sa mitzvah le requiert, l'impose. Et, ou encore, la moulette Beno, il a déjà quitté sa maison pour partir faire le brit mila à son fils. Ou encore, Velechol Seudat Erusin Bevet Chamiv. Tout simplement, il a invité à manger chez sa fiancée pour le premier repas. Ou même le deuxième repas, il y a une marque dans la Gemara, une fois qu'on s'est fiancé. Tout ça, le point commun, le dénominateur commun, c'est que ce sont des mitzvot. Ça, partir manger pour la première fois en tant que fiancé chez sa Kala. Après les Erusin, on parle des Erusin de l'époque où on donnait les tabat avec Kiddushin, en disant Rête mes coups de Chetli, elle devenait Mouresset. Le premier Seudat qu'on fait à la maison, c'est une Seudat mitzvah. Et les deux premiers cas, c'est bien sûr des Seudot de mitzvah. Alors la Mishnah me dit comme ça. Maintenant, ce qui se passe, là, on a posé le cas. La problématique maintenant. Venizgar chez Yeshlo Chametz Betor Peto. Une fois qu'il est sorti de chez lui, il se souvient de dire, oh là 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 là, j'ai laissé du pain dans l'assiette de la cuisine. Posé. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? D'accord? Donc il est déjà il est en route pour partir faire une mitzvah. Il se rappelle qu'il a laissé du Chametz chez lui à la maison. Alors la Mishnah lui propose comme ça. Im yachol lachazor ulva'er velachazor le mitzvato, yachazor viver. Im yachol lachazor, s'il peut revenir, ulva'er et brûler son chametz, le supprimer. Velachzor le mitzvato, ensuite repartir faire sa mitzvah sans chamboulement, alors yachazor viver. On ne lui donne pas de permission, repart vite, brûle le chametz et revient à la maison. Ve'im lav, mais si tu ne peux pas, tu risques de rater la mitzvah. D'accord? Tu es arrivé en retard au premier repas des fiançailles, trop en retard, ça va choquer tout le monde, ça va. Ou encore, tu risques de rater le Corban Pessah, il faut pas s'amuser à ça. Tu risques de ne pas pouvoir faire le brit mila de ton fils. Alors vim lave, et si c'est pas possible de le faire, alors mevatlo belibo, tu pourras t'appuyer sur la possibilité de l'annuler. Soit le Chametz, on a déjà expliqué que selon la Torah, c'est vrai que la Torah elle m'a dit. Que le premier jour, vous devrez supprimer le chametz de vos maisons. D'accord? Ça, c'est la mitzvah. Maintenant, supprimer le chametz, ça implique soit l'anéantir réellement, le brûler, le rechercher, le détruire, ou même, il y a aussi la possibilité de se défaire de sa propriété. D'accord? Le bitul chametz, je le considère comme de la poussière, je le rends efker, chacun avec son osar, on dit les deux. D'accord? Je l'annule, l'annulation du chametz. Maintenant, Chachamim ont fait un décret qu'on ne se fonde pas sur l'annulation du Chametz. Tu dois chercher le Chametz et le détruire, parce que tu ne gardes pas du Chametz chez toi, tu risques de le manger machinalement. Là, on a une certaine dérogation lorsque l'on est en route pour partir faire une mitzvah. Si à cause de ça, je risque de rater ma mitzvah, Chachamim ont dit, tu sais quoi? Appuie-toi sur la permission d'annuler le Chametz si tu n'as plus le choix. Tant que tu peux éviter, évite. Reviens, brûle, si tu ne peux pas. Laisse-le. Contente-toi de l'annuler parce que tu es en route pour faire une mitzvah. On va voir le dernier canal de Mishnah où il n'y aura pas cette possibilité, on va te dire tu reviens. Comme ce qu'on va voir dans quelques secondes. Vim yacholachzor yever, velachzor, donc, ouais. Vim lav. Mais vatlo bilbo, et s'il n'a pas la possibilité de revenir et de repartir vers sa mitzvah, il risque de rater la mitzvah, alors mais vatlo bilbo qu'il annule dans son cœur. Deuxième situation maintenant. Lehatzil minanochrim, sauvé de goyim. Il y a en ce moment, chazu shalom, des goyim qui sont en train de se diriger dans la ville pour faire un carnage. Et donc, il est en route, lui, c'est un guerrier, il va partir se battre, défendre, aider, peu importe, sauver, aider les gens à s'enfuir. Ou bien Minanar, ou le fleuve qui est en crue, qui déborde, et qui risque de faire des graves dégâts. Là, on ne parle plus de néfachotes, on ne parle plus de danger physique,
On parle de perte d'argent aussi. Ou encore Oumina l'estime. Ou encore il y a des brigands qui sont peut-être en route. Oumina Deleka, il y a un incendie. Il faut soit l'éteindre, il n'y a pas de danger. Et il n'y a pas de perte, même des pertes d'argent. Oumina Mapolet, ou encore il y a des avalanches. Alors dans toutes ces situations, il y a des menaces. C'est vrai que pour le moment, c'est pas encore là, mais ça peut, c'est imminent. Donc du coup, il a besoin de faire très vite pour partir aider. Et on va pas commencer à lui dire maintenant reviens et repars. C'est une mitzvah que tu risques de tout perdre. Aider l'autre, ne pas. D'accord? Shabbat Aveda, c'est une perte. Maintenant, si tu traînes davantage, tu risques de te faire avoir davantage. Donc du coup, ne commence pas à faire des chumrot, Yevatel Belibo. Annule-le le plus vite. Contente-toi juste de l'annuler dans ton cœur. Et va vite aider et reviens parce que sinon tu vas perdre. Quand tu reviendras après pendant Pessah, si tu trouveras ton premier serment là, tu pourras le brûler. Il n'y a pas de problème. Mais là, pour le moment, on parle que, donc, avant que ça devienne interdit, annule-le. Ok? On apportera une petite précision importante qui rapporte ici Rabbi Akiva. Mais pour le moment, je continue la Mishnah. Velishbot, Shvita Tarshut. Par contre, s'il va pour être chauvette, pour son salut, pour une Shvita Tarshut, il est en route pour partir passer des vacances, tout simplement. Il est en train de partir chez son ami, chez ses. Alors, je sais pas, chez ses parents, est-ce que la Mitzvah qui boudave, elle entre en ligne de compte, j'en sais rien. Mais partir passer le Seder avec son ami pour faire une très belle fête. C'est sympathique, non? Mais c'est plus un besoin de mitzvah parce que tu peux aussi faire le seder chez toi. Donc maintenant il a commencé à quitter chez lui, maintenant il a deux choses d'une. Soit il va chez l'ami et il annule, ou soit il revient chez lui à la maison pour annuler son Khametz. Et quand il reviendra, il pourra plus repartir, ce sera trop tard. Eh bien la Mishnah, elle me dit, désolé de vous le dire, si vous avez les avions, les billets d'avion dans la main, eh bien, la Mishnah m'enseigne, je ne sais pas après comment dans la Hassé travailler. Yarzormiad, il faudra que tu reviennes. C'est dur. C'est-à-dire, il arrive à l'aéroport, il a déjà fait le. Là, j'ai enregistré les bagages, et ça date de l'époque où on pouvait prendre les avions pour partir en vacances. Ça reviendra un jour, vous inquiétez pas. Et donc il a ses billets, il est là, il fait l'aéroport, il dit, oh, je voulais le remettre sur le plan de travail. Ben, vraisemblablement, je sais pas, concrètement, demander à un rave comment ça se passe ensuite, est-ce qu'il y a une quelconque permission, peut-être c'est considéré comme une perte, si c'est une perte tellement d'argent, j'en sais rien. Mais en tout cas, peut-être. Si c'est juste un problème technique, si tu choisis, soit tu vas passer Shabbat, tu vas passer la fête chez ton ami, soit tu reviens chez toi à la maison, la Mishnah le dit. Désolé. Excuse-moi. La Mishnah me dit, ben, Yachazor Miyad, tu dois revenir chez toi pour annuler le Khametz, et puis tant pis pour la Shvita Tashparishut. D'accord? Donc on a trois situations. Une première situation, il n'y a pas de mitzvah particulière, partir manger avec un ami, c'est pas une mitzvah spéciale. Même si c'est très sympathique, ça rajoute au Kvod Yom Tov. Tu peux aussi faire Yom Tov chez toi à la maison, ça va, t'es pas si. D'accord? C'est une famille, tu peux te brouiller aussi. Donc là, tu reviens, et puis quitte à perdre, à ne plus à changer ton programme. L'autre extrémité, c'est le cas où il y a une perte d'argent ou encore plus de danger. Dans ce cas-là, on lui dit, tu te contentes d'annuler uniquement et tu ne reviens pas t'occuper de ton Khametz. Tu verras plus tard pour le Khametz. Et il y a la situation un petit peu intermédiaire, qui considère que tu es en route pour faire une mitzvah, que dans ce cas-là, si tu as la possibilité de faire les deux, même si c'est un peu compliqué, complique-toi la vie et reviens vite et repars. Si toi, tu risques de perdre ta mitzvah, alors là, contente-toi de l'annuler uniquement. D'accord? Il y a maintenant Rabbi Akiva Iger, je ne vais pas le faire entièrement, je rapporte juste la première donnée, qui, au nom du Magan Avraham, qui explique que l'on parle que il réalise, on parle dans notre Mishnah, dans la journée du 14 Nissan, il y a deux parties de la journée. La première partie de la journée, ce n'est le Khametz est encore permis à la consommation, c'est le moment de l'annuler ou de le brûler. Deuxième partie de la journée, c'est quand le Khametz il est déjà devenu interdit. Lorsque le Khametz est devenu interdit, il faut savoir, on ne peut plus l'annuler. Du Khametz qui est déjà devenu assourd, je ne peux plus faire de Bitoul Khametz. Le Bitoul Khametz, c'est que avant qu'il devienne assourd. Mais s'il est devenu assourd, c'est plus le moment de faire le Bitoul. Du coup, le Magen Avraham explique que toute notre Mishnah, elle parle qu'on a encore le matin. On a encore le matin. Quand c'est le moment d'annuler Khametz. Par contre, si c'est dans l'après-midi de Pessah, de l'après-midi du 14, où maintenant il ne pourra plus annuler le Khametz, selon le Magen Avraham, il sera obligé de revenir brûler son Khametz parce qu'il n'a plus la possibilité de l'annuler. Donc, ta mitzvah maintenant, c'est de détruire le Khametz, tu devras revenir l'annuler. D'accord? Étant donné que ça, c'est un interdit, il y a un devoir de brûler le Khametz, c'est un interdit d'en posséder. Et du coup. Donc, un contre l'autre, tu dois repartir, revenir brûler ton Khametz. Il y en a, c'est discuté sur ça, il y a un très long remède qui va guerre. Il y en a qui prétendent que non, qu'à partir du moment où j'ai plus d'intention de vouloir conserver ce Khametz,
transgresserai plus l'interdit malgré tout de posséder Khametz. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol tov, selam.